بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واهدنا واهد بنا اللهم آمين. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اليوم نجتمع حول كتاب الله ونتدارس إن شاء الله بعض الصور مأخوذة من حزب الأعلى. Donc à partir d'aujourd'hui, on va se réunir tous les mercredis, inshallah, après Salat al-Asr, pour étudier quelques surahs prises du dernier hizb del Qur'an al-Karim, qui est Hizb al-A'la. فأولاً وقبل كل شيء أشكر الله تعالى الذي جمعنا في هذا البيت المبارك وكذلك أشكر مسؤول هذا المسجد ومسؤول هذه الجمعية للاستقبال وللسماح لإقامة هذه الدروس. Avant toute chose, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir réunis dans une de ces maisons et de nous avoir permis et de nous avoir choisi pour s'asseoir dans une de ces maisons pour écouter des paroles autour de son livre. Car même si on ne s'en rend pas compte, on est choisi. كثير من الناس الآن في الخارج أو في المعصية لا يصلون أو يفعلون أشياء غريبة فنحن صلينا صلاة العصر جماعة فنسأل الله أن يتقبل منا وجلسنا ننتظر أو نرجو جزاءه سبحانه وتعالى. Donc il faut se rendre compte et prendre conscience de ça, que beaucoup de gens aujourd'hui sont dans l'insouciance. Et que si vous êtes là à écouter les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas simplement parce que vous l'avez voulu, mais c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a choisi. Beaucoup de gens ne sont pas venus ou ne peuvent pas venir parce qu'ils sont occupés. Ils voudraient venir mais ne peuvent pas parce qu'ils sont occupés, soit par le travail, soit par la famille ou d'autres responsabilités. Et d'autres ne pensent même pas à venir à la mosquée pour prier ou pour écouter un rappel autour d'Al Qur'an al-Karim. Donc il est important de prendre un peu de recul par rapport à ça et de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Fa kama qult inshallah usbu'iyan najtami' wa nadrus jami'an ba'd as-suwar ma'khudha min hizb al-a'la wa ikhtartu hadhihi as-suwar li'annaha nastami' ilayha katiran nahfazuha wa naqra'uha katiran lakin katirun minna la yafhamuha. J'ai choisi de choisir quelques sourates du dernier hizb del Qur'an, car beaucoup d'entre nous les lisons, nous les écoutons, nous les mémorisons pour la plupart, nos enfants également les mémorisent, mais le problème, c'est que nous ne les comprenons pas. Très peu d'entre nous aujourd'hui font l'effort de comprendre ce qu'ils mémorisent, et donc on va commencer par des petites sourates, et dans le Hizb al-A'la, et d'une façon plus générale dans Juz Amma, il y a beaucoup de sujets très importants pour la vie du musulman. Inch'Allah, al-yawm nabda bi tafsir, yani khafif, min surat al-Zalzala. On va commencer par un tafsir résumé de surat al-Zalzala. Et j'ai choisi de commencer par surat al-Zalzala parce qu'elle fait partie d'un groupe de suwar qui contiennent des sens vraiment très profonds. يعني سوره الزلزله ثم بعد ذلك عندنا سوره العاديات وعندنا سوره القارعه وسوره التكاثر. وفي هذه السوره الله سبحانه وتعالى يخبرنا بالمشكله الكبرى عند الانسان وهي حب الدنيا. ويخبرنا كذلك بعلاجها وهي التذكر بالآخرة. Donc dans ces sourates qu'Allah subhanahu wa ta'ala que l'on va étudier inshallah, qui sont quatre sourates qui se suivent dans le Coran, un groupe de quatre sourates, sourate Al-Zalzala, Al-Adiyat, Al-Qari'a, Al-Takathur, Allah subhanahu wa ta'ala il nous informe d'un problème qui est la base de tous les problèmes que l'homme rencontre, qui est l'amour de ce bas monde. بل تؤثرون الحياة الدنيا
mais vous préférez ce bas monde. On va voir que dans Surat At-Takathur wa Al-Adiyat, ce problème il est mentionné clairement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce groupe de quatre surahs, il nous parle de l'akhirah, il nous parle de l'bahth, de l'qabr, il nous parle de l'hisab, il nous parle de wazn al-a'mal. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous parle de plusieurs étapes qui auront lieu dans l'au-delà pour nous rappeler que le but de notre création, ibadatullah, c'est l'adoration d'Allah, et ça n'est pas le fait de courir après cette dunya. Idan, nabda insha'Allah بقول الله تعالى إذ يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها. Traduction approximative: quand la terre tremblera de son tremblement particulier ou d'un violent tremblement. فأولا نرى أن الفعل هو فعل ماضي والسائل يقول أو يسأل لماذا الله سبحانه وتعالى يتكلم عن الماضي والزلزلة ستكون بعد ذلك. Donc ce qu'on peut observer dans un premier temps, c'est qu'en arabe, le verbe idha zulzilatil, quand la terre tremblera, qu'on traduit par le futur en français, il est au passé. Donc on peut se poser la question, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il parle au passé alors que al-zalzala c'est quelque chose qui va arriver. ففي اللغة العربية عندما نستعمل الماضي لهذه الجمل يعني المعنى قد تقع بلا شك. Donc en arabe, quand on utilise le passé, qu'Allah subhanahu wa ta'ala utilise le passé pour parler du futur, c'est pour exprimer que ceci va se passer, il n'y a pas de doute. إذا زلزلت الأرض زلزالها, donc la terre va trembler. هذا قدرها, elle a été prédestinée à ça. La fin de la terre, يعني son but, c'est un jour elle va trembler. Et est-ce que ce tremblement de terre, il va ressembler au tremblement de terre qu'on peut vivre dans ce bas monde? Là, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont déjà vécu un tremblement de terre. Tout ce que vous pouvez voir, ou tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce que vous pouvez vivre, sachez que ça n'a rien à voir avec ce qui nous attend ce jour-là. Idan idha zulzilatil ardu zilzalaha. Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala hadha al-fi'l kadhalik. Donc il est également au sens passif, car on sait tous que la terre ne va pas bouger toute seule, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va lui permettre de bouger, de trembler, et qui va lui donner cette capacité de le faire. Mais si Allah subhanahu wa ta'ala il n'a pas nommé al-fa'il, il ne s'est pas nommé lui pour montrer que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va faire bouger la terre, c'est pour qu'on se concentre sur justement cette terre, qu'on s'imagine, qu'on prenne un peu de recul. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas qu'on se concentre sur al-fa'il, sur Allah subhanahu wa ta'ala qui va faire cette chose-là. Il veut qu'on se concentre sur l'événement, sur la terre. Imaginez-vous cette terre trembler. Imaginez-vous cette terre trembler d'une manière complète. Quand il y a un tremblement de terre dans ce bas monde, c'est juste à un endroit particulier. Et cet endroit, il va avoir des répercussions autour de lui. Mais yawm al-qiyama, la puissance de ce tremblement de terre, la capacité de ce tremblement de terre et tout ce qui va se passer autour de ce tremblement de terre, yani c'est quelque chose que personne n'a vu, personne n'a connu et que personne ne peut s'imaginer. Donc à nous de prendre un peu de recul par rapport à ça et de se dire, quand notre nefs nous pousse à faire un péché, ou quand notre nefs nous pousse à être feignant par rapport à des adorations, de se rappeler ce jour-là. Et on va voir qu'il y a une relation permanente dans cette sourate entre l'akhira et le fait de faire des bonnes actions. Fi'al al-khayrat. Donc quand on a la flemme de faire des bonnes actions, ou on a peur de tomber dans le péché, qu'on prenne un peu de recul, qu'on pense à cette sourate-là. Idha zulzilatil ardu zilzalaha. Que la terre, elle va trembler. La shakka fi dhalik. Et que, après ce moment-là, il va se passer certaines choses que l'on va voir petit à petit. Taïb, al-ard, satuzalzil. La shakka fi dhalik, kama qulna, fa mata taqa' hadi zalzala. Est-ce que vous êtes déjà posé la question,
quand est-ce que va se passer ce tremblement de terre? De quoi on parle? De quel moment on parle là? Fil dunya ou fil akhira? Avant la fin du monde ou après la fin du monde? S'il y en a qui ont des réponses, quand est-ce que ce tremblement de terre il va se passer? Idha zulzilatil ardu zilzalaha, on peut se poser la question, ok, quand? Mata takoun? Ma sami'at. طيب اذا قبل الساعه بعد الساعه طيب في اقوال بين المفسرين ويعني القول الارجح والله اعلم ان هذه الزلزال يعني او هذه الزلزله تكون في الدنيا والاخره دونك il y a des discussions chez les mufassirin ceux qui expliquent le Coran al-Karim et si on reprend toutes les paroles on voit que les savants, une parole qui revient souvent, qu'on parle de deux tremblements de terre. Un tremblement de terre, qabl sa'a, donc avant l'heure, avant qu'il y ait le premier souffle dans la trompe, et un deuxième tremblement de terre qui est après le deuxième souffle dans la trompe. Comme vous le savez, un nafr fi sour, yakoun, ya'ni marratayn, le fait de souffler dans la trompe, ça va se passer deux fois. Une fois pour indiquer la fin du monde, et donc Zalzala va être avant, et une fois pour indiquer l'heure de Al-Bahth, Wan-Nushur, yani la résurrection. Donc quand on dit Idha zulzilatil ardu zilzalaha, on comprend ces deux zilzal. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum, inna zalzalat as-sa'ati shay'un 'azim. Donc, ô hommes, craignez votre Seigneur, le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Donc, les savants qui nous disent qu'on parle d'un tremblement de terre qui précède l'heure, ils se basent sur ce verset, qui est ce qu'on appelle Tafsil al-Qur'an bil-Qur'an, expliquer le Coran par un autre verset du Coran. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala dit ô hommes, craignez votre Seigneur, le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait et toute femme enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas, mais le châtiment d'Allah est dur. Ibn al-Jawzi, il dit, selon la majorité des savants, ce tremblement aura lieu dans ce bas monde et c'est le signe de l'heure. D'autres estiment que cela aura lieu au jour de la résurrection. Et l'imam al-Qurtubi, il dit, d'après Ibn Abbas, que ce tremblement de terre arrivera après le premier souffle, la fin du monde, puis un autre tremblement lors du deuxième souffle quand les gens sortiront de leur tombe, donc deux souffles. C'est aussi l'avis de Mujahid qui est en concordance avec le verset Yawma tarjufu ar-rajifa tatba'uha ar-radifa, le jour où le tremblement se fera, auquel succédera le tremblement suivant. Nastamir wa yaqulu Allah ta'ala wa akhrajatil ardu athqalaha, et que la terre fera sortir ses fardeaux. وأخرجت الأرض أثقالها عندنا تكرار كلمة الأرض الله سبحانه وتعالى il répète le mot أرض pour comme on l'a dit dans la première aya pour se concentrer sur la terre et s'imaginer ce moment-là où elle va trembler et quand elle va trembler qu'est-ce qu'elle va le faire elle va sortir de son ventre ses fardeaux وما معنى الأثقال يعني في أقوال وبعض العلماء يقولون الأثقال هي الأموات أو الموتى والآخرون يقولون هي كنوز الأرض. Donc les savants nous disent que qu'est-ce qui est voulu par rapport à ce mot qui est أثقال, que la terre elle va sortir ses fardeaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle va sortir les morts qu'elle contient, hein, parmi les djinns et les ins, ou également qu'elle va sortir tous ses trésors. Aujourd'hui l'homme il puise dans la terre, il puise pour trouver de l'or, des diamants, de l'argent, du gaz, toutes les richesses. Yawm al-Qiyama, cette terre, elle sortira les hommes, tout le monde sera ressuscité, les djinns, et également tous les trésors qu'elle contenait. Et l'homme, contrairement à cette dunya, qui pouvait
se battre pour avoir les biens de cette terre, qui pouvaient tuer pour de l'or, rompre les liens de parenté pour de l'argent, faire n'importe quoi pour les biens de ce bas monde, fil akhira, il va pas s'en occuper. Son souci sera autre. Il pensera à lui. Et également, ça, on doit prendre un peu de recul et se poser la question lorsqu'on voit qu'on est un peu trop pris dans hubb dunya. Viendra un jour où on aura toute la dunya devant nous, mais on ne se servira même pas. Tellement nos cœurs seront effrayés par ce jour qui est Yawm al-Qiyama. Idhan, al-murad bi al-athqal hiya al-mawta min al-ins wal-jin wa al-kunuz, kunuz al-ard. Ce qui est voulu dans ce que la terre va ressortir, c'est les morts, donc nous, et tous les morts depuis Adam alayhi salam jusqu'à Yawm al-Qiyama, ainsi que les trésors que la terre contenait. وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. Et là, l'homme, à ce moment-là, il va se poser la question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a la terre? On peut voir que الْإِنسَان, يعني مُفْرَد, الْإِنسَان, il est au singulier là. Et les savants, ils nous disent, c'est pour montrer cette particularité de Yawm al-Qiyama où l'homme, il sera tout seul. On sera tous réunis, mais on sera individuels. Chacun pensera à lui. Chacun esquivera les autres. Et chaque homme, quand il va voir la terre trembler, quand il va sortir et qu'il va remarquer ce tremblement de terre, qui va peut-être durer longtemps, il va se poser la question, malaha, qu'est-ce qu'elle a? Cette terre qui était connue pour être toujours calme, accepter tout ce qui se passe, rien dire, Yawm al-Qiyama, là, elle va s'exprimer, elle va trembler. Et Al-Kafir, il va dire malaha d'une façon où lui sera surpris, parce qu'il n'a pas eu cette information que la terre, Yawm al-Qiyama, va trembler. Mais le musulman, lui, il a eu cette information. Le musulman, normalement, il a déjà entendu Surat al-Zalzala. Et normalement, il a pris le temps de la comprendre. Donc il sait qu'il y aura un tremblement de terre. Donc ce ne sera pas une nouvelle information pour lui, mais il va dire malaha d'un étonnement. Car ce sera tellement puissant que même si on sait qu'il va y avoir un tremblement de terre, on va quand même se poser la question malaha. C'est trop en fait. Donc tout le monde va être surpris par ce tremblement de terre. Yawma'idhin tuhaddithu akhbaraha. Et ce jour-là, la terre, elle va raconter son histoire. La terre qui acceptait tout, ce jour-là, elle va raconter son histoire. Kaifa, donc comment? Wallahu a'lam. Hein, on ne se pose pas la question, mais la terre, elle ne parle pas, comment elle va s'exprimer, etc. Allah subhanahu wa ta'ala, يعني يستطيع أن ينطق كل شيء. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut faire en sorte que des choses immatérielles s'expriment يوم القيامة. Quand on passe dans le monde de l'akhira, dans l'au-delà, on oublie toutes les règles qui nous régissent fit dunya. On ne parle plus de tout ce qu'on connaît comme règles. Fit l'akhira, c'est autre chose. Elle se change. Et parmi ces règles, il y a des choses qui ne parlaient pas, qui étaient immatérielles, qui vont vivre Yawm al-Qiyama avec Allah subhanahu wa ta'ala, à qui il va donner la parole. يومئذ تحدث أخبارها. Ça c'est jawab للسؤال ما لها. L'homme il va se poser la question, qu'est-ce qu'elle a la terre à trembler comme ça? La réponse est, elle va raconter ce qui s'est passé sur elle. Et كثير من العلماء يقولون إن معنى هذه الآية أن الأرض ستشهد على الإنسان. Que la terre, elle va témoigner pour ou contre l'homme. Le sens de ce verset-là, c'est le jour où elle contera son histoire, le jour où elle témoignera pour ou contre l'homme. Et donc là, on doit se poser des questions. Est-ce que la terre, elle va témoigner pour nous ou contre nous? Tu peux te cacher de tout dans ce bas monde, sauf d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, et de la terre. Parce que tout ce qui se passe ici, ça se passe entre les cieux et la terre. Donc la terre, elle est témoin. Allah subhanahu wa ta'ala est le témoin numéro un,
Mais en plus de ça, Yawm al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, il apporte des témoins. La terre, tes membres, hein, il y aura le Yawm al-Qiyamah, ta bouche sera fermée, mais tes membres, ils vont s'exprimer, ils vont témoigner pour ou contre toi. Plein de choses qui vont témoigner, dont la terre. La terre, elle pourra dire, lui, il était tout le temps à la mosquée. Lui, il faisait le bien. Lui, il lisait le Coran à tel endroit. Et c'est pour ça que les savants, ils nous disent, ce qu'il est conseillé, c'est de multiplier les bonnes actions dans des endroits différents. Mathalène, on peut le voir souvent à la mosquée, cette sunna, quand quelqu'un fait une prière obligatoire, il veut faire une surérogatoire, il change de place. Hein? S'il fait ça, il faut qu'il ait l'intention de faire ça pour que cet endroit de la terre témoigne pour lui, Yawm al-Qiyamah. Et la personne intelligente, il essaye de prier dans tous les endroits de la mosquée. Bien sûr, les prières surérogatoires. Prière obligatoire, le premier rang, c'est le meilleur. Mais prière surérogatoire, il va prier à gauche, à droite, au début, au milieu, au fond, partout. Il va prier dans différentes mosquées. Il va faire le khayr dans différents endroits. Il est rapporté d'histoires de certains hommes pieux qu'à chaque fois qu'ils entraient dans un endroit, il priait. Simplement pour que cet endroit-là témoigne pour lui Yawm al-Qiyamah. وَكَانُوا يَسْتَدِلُّونَ بِهَدِ الْآيَةِ. Et il prenait comme référence ce verset-là. Partout. Il allait dans un magasin, il faisait deux raka'at. Il allait dans un nouveau pays, première chose qu'il faisait, deux raka'at. Dans un avion, deux raka'at. Tout le temps. Pour, justement, que Yawm al-Qiyamah, la terre témoigne pour lui d'endroits différents. إذن على المسلم أن ينتبه وأن يحترم الأرض لأنها ستشهد عليه يوم القيامة. Donc l'homme عاقل, l'homme intelligent, il doit prendre cette ayah comme une règle. Il doit prendre ce verset comme une règle de sa vie. Attention, la terre elle va témoigner pour moi. Où je vais? Ok, on a parlé des bonnes actions, mais elle va témoigner pour toi aussi pour les mauvaises actions. Où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Partout en fait, la terre, elle va enregistrer ce que tu fais et elle dévoilera tes bonnes ou tes mauvaises actions. Yawm al-Qiyamah. Bi'anna rabbaka awha laha. Donc, selon ce que ton Seigneur lui aura révélé, elle racontera son histoire, elle témoignera selon ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui aura révélé. Et là, les savants ils nous disent هذه الآية راحة. Cette ayah c'est comme un repos où Allah subhanahu wa ta'ala il fait preuve de rahma et de lutf avec An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dans les versets précédents on a parlé du tremblement de terre, on a parlé du lorsque la terre elle va sortir ses fardeaux, lorsque la terre elle va témoigner contre l'homme. C'est dur, c'est shadid pour celui qui vit la sourate. Et là Allah subhanahu wa ta'ala il vient avec بأن ربك أوحى لها, un peu de repos, car tout cela sera fait par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme Allah subhanahu wa ta'ala venait réconforter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on prend ça de juste cette kalima qui est Rabbak, hein, on voit la miséricorde avec le mot ton Seigneur. Rabb, ça englobe Bismillahirrahmanirrahim par exemple. Il y a cette qualité de Seigneur, et dans la seigneurie il y a cette rahma. En plus, il y a le kef, hein, le kef qui vient donner encore plus de proximité. C'est pas le Seigneur, c'est ton Seigneur. Alors oui, il y aura tout ça. Oui, il y aura le zelzala. Oui, il y aura le témoignage de la terre. Ce sera un jour terrible. Sauf pour qui Allah subhanahu wa ta'ala aura couvert de sa miséricorde. يَوْمَ إِذِي يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ. Ce jour-là, où les gens sortiront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Ou ce jour-là, où les gens reviendront séparément pour que leur soient montrées leurs œuvres. Quand est-ce que va se passer ce moment? Les savants ils nous expliquent que ce moment, c'est ce qu'on appelle « al-rujur min al-hisab ». Lorsque la personne va être ressuscitée, il va y avoir plusieurs étapes, jusqu'à arriver à l'étape de « al-hisab », du jugement, où la personne elle va... Allah subhanahu wa ta'ala, il va peser ses œuvres. Après, cette personne-là va revenir dans ce qu'on appelle Arz al-Mahshar, la terre du rassemblement. Et ce verset-là, il parle de ce moment-là.
Donc à ce moment-là, les gens ils vont revenir séparément et il leur sera montré leurs actes. Et il leur sera montré même devant tout le monde. Séparément, plusieurs explications chez nos savants. Certains savants ils disent que séparément, c'est vraiment chacun individuellement. D'autres nous disent que c'est les hommes ils seront divisés en deux groupes, fariqayn, hein, al-mu'minun wa al-kuffar, ashab al-jannah wa ashab al-nar. Donc après le hisab, les gens ils seront divisés en deux catégories, les gens de la droite, les gens du paradis, et les gens de la gauche, les gens de l'enfer. Et d'autres savants disent que ashtatan c'est ces différents groupes, mais pas simplement les croyants et les non-croyants, mais ça va être la catégorie par exemple des jeûneurs. Les jeûneurs ils seront ensemble, ils arriveront ensemble. Les prieurs ils seront ensemble, ils arriveront ensemble. Ça c'est dans Ahlul Khayr, les gens du bien. Et les gens du mal, ceux qui étaient connus pour zina par exemple, hein, la fornication, ils viendront ensemble. Ceux qui buvaient de l'alcool, ils viendront ensemble. Ceux qui volaient, ils viendront ensemble. Ceux qui mangeaient riba, ils viendront ensemble. Chacun sera dans une catégorie. Et bien sûr, dans cette ayah, les savants ils nous font un tanbih, ils nous attirent notre attention sur le fait de choisir nos fréquentations. Car il se peut qu'à ce moment-là, tu sois ressuscité et que tu sois en compagnie de ceux avec qui tu es en compagnie dans ce bas monde. Donc si tu es en compagnie avec des gens pieux, il y a de fortes chances que tu sois ressuscité et que tu passes ce passage-là avec des gens pieux. Et je n'ai pas besoin de vous dire que à ce moment-là, mieux vaut être dans un groupe de personnes, de bonnes personnes, que de mauvaises personnes. إذن يوم إذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. À ce moment-là, les gens ils seront soit tout seuls, soit divisés en deux catégories qui sont al-mu'minun ou al-kuffar, ou soit en plusieurs catégories en fonction des actes de la personne. ليروا أعمالهم. Et là, c'est ce qui nous intéresse. C'est également une étape de Yawm al-Qiyamah qui est la vision des œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala va nous montrer nos actes. Kayf la nadri. Comment? On ne sait pas. Et quand on parle de l'au-delà, il ne faut pas trop se poser de questions. Comment la terre va témoigner contre nous? Comment on va pouvoir voir nos actes? Ce n'est pas possible. Non. Comme on a dit, les règles entre ce bas monde et l'au-delà elles sont complètement différentes. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'on verra nos actes. On y croit. Il y a différentes interprétations. Certains savants ils disent que nos actes prendront une forme matérielle et qu'on les verra. D'autres nous disent que nos actes, ce n'est pas les actes en eux-mêmes que l'on va voir, mais ça va être comme un enregistrement de nos actes. Et ce qui pouvait nous paraître, ou ce qui pouvait paraître incroyable à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui, on voit avec toute la technologie, tout est filmé, tout est enregistré, Donc c'est possible que certains savants disent que c'est la vision de nos actes qu'on verra, qui nous sera montrée. D'autres nous disent que c'est al-jaza, la récompense de nos actes. D'autres disent encore que c'est les registres qui nous seront montrés, qui nous seront donnés, les registres dans lesquels les anges notent les bonnes et les mauvaises actions, qui nous seront transmis. Al-muhim, que ce soit d'un moyen ou un autre, on verra nos actes. Celui qui aura fait du bien, il verra ses actes du bien. Celui qui aura fait du mal, il verra ses actes de mal. Donc à nous de prendre du recul, de réfléchir, de faire le point avant qu'il ne soit trop tard, et de se poser la question. Aujourd'hui, si mon jugement il devait être aujourd'hui. Et imaginez-vous ça. Je ne sais pas si certains ils ont déjà assisté à des jugements au tribunal. Même si vous n'êtes pas concerné, vous avez la pression pour la personne qui est concernée. Et bien, imaginez-vous, même si ça n'est pas comparable, imaginez-vous Yawm al-Qiyama où vous serez jugé par rapport à ce que vous avez fait. Et une fois que la mort arrive, khalas, il n'y a plus moyen de revenir pour dire j'aurais dû faire le khayr, si je reviendrai, je ferai le bien. Je serai parmi les prieurs, je serai parmi ceux qui lisent le Coran, je serai parmi... Non, c'est fini. Donc à nous de réfléchir aujourd'hui, et Allah subhanahu wa ta'ala, par ce groupe de surah, comme je vous ai dit, il nous met en garde contre le hubb dunya, parce que le hubb dunya, c'est asl al-mashakil, c'est le problème, c'est la base des problèmes.
Et c'est l'obstacle aux adorations. La personne, s'il ne donne pas zakat, ou s'il ne fait pas sadaqa, c'est hubb al-mal, parce qu'il aime l'argent. La personne, s'il ne jeûne pas, le lundi et le jeudi, ou on va être pire que ça, la personne ne jeûne pas le mois du ramadan. C'est pourquoi ? Parce qu'il aime manger, il aime boire. La personne qui fréquente des filles, c'est parce qu'il aime les femmes. Et prenez ça pour tout le temps, pour toute chose. La personne qui ne se lève pas pour Salat al-Fajr, c'est parce qu'il aime trop dormir. Parce qu'il aime trop son âme et il veut donner à son âme le droit de se reposer. Si vous avez un problème, faites un petit stop. Prenez du recul et vous allez voir que ce problème, vous y êtes tombé parce qu'il y a le mushkila de hubb ad-dunya. Vous avez l'amour de ce bas monde qui vous a conduit à telle chose. Si une personne tombe dans le riba, dans le crédit usuraire, c'est pourquoi ? Parce que hubb ad-dunya, il aime ce bas monde plus que sa capacité. Donc il va prendre des intérêts usuraires pour pouvoir acheter ce qu'il ne peut pas acheter dans sa capacité. Idan, avant d'être regroupé avec ces gens yawm al-qiyama, qu'on fasse attention avec qui on traîne dans ce bas monde. Allah subhanahu wa ta'ala yunhi hadhihi surah bi ayatayn azimatayn. Allah subhanahu wa ta'ala termine cette sourate par deux versets qui sont des règles importantes pour le musulman. Yaqul faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Celui qui fait le bien, ne fût-ce le point d'un atome, le verra. Et ça, il faut qu'on en prenne conscience. Ce que je ne vous l'ai pas dit, mais il est rapporté que parmi les causes de révélation de cette sourate, c'est que des compagnons, ils étaient en train de discuter et ils étaient en fait négligents dans le fait de faire le bien. Un compagnon a dit, le bien, moi je fais que des grandes choses, parce que les petites choses, elles comptent pas. Et il pensait également que les petits péchés ne comptaient pas et que c'était que les grands péchés qui comptaient. Et cette sourate a été révélée en réponse à ces deux compagnons. Et ces versets, qu'est-ce qu'ils nous indiquent ? Quiconque fait un bien, ne fût-ce le poids d'un atome, le verra. Yani hadi qa'ida qur'aniya, qui nous indique que le musulman, il ne doit négliger aucun bien. Tout le bien qu'il peut le faire, qu'il le fasse. Et ça, ça répond à une croyance que beaucoup de musulmans ont, c'est que soit je fais le bien, je fais un gros truc, ou soit je fais rien. Non. Il y a beaucoup de choses simples à faire au quotidien par lesquelles le musulman il peut avoir beaucoup de bonnes actions, mais le fait d'attendre à chaque fois une occasion extraordinaire ou de faire une sadaqa extraordinaire, celui qui peut le faire, tant mieux, mais ça doit rester dans cette logique de bonnes actions, de minimes bonnes actions. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Donc, فَمَنْ يَعْمَلْ, celui qui fait des bonnes actions, là on parle de الرِّجَلْ وَالنِّسَى, les hommes et les femmes. Donc là on a ce qu'on appelle la parité. Dans les adorations, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Dans la récompense, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Qu'une femme ou un homme fasse un khayr, même s'il est minime, il sera récompensé et elle sera récompensée, bien sûr, bishart an-niyya, avec la condition qui est la sincérité. Que cet acte-là soit fait sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il suive la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui nous donne des exemples de bonnes actions faciles à faire, que tout le monde peut faire au quotidien ? Du zikr, ahsant, du zikr. Il y a beaucoup de hadiths qui nous rapportent les mérites du zikr. Dire subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Ok, donc zikr. Et ça, c'est des choses, c'est pas simplement les citer pour les citer. Le but de ces cours-là, c'est de partir sur de la mise en pratique. Donc zikr. Ahsant, le fait de passer le salam à son frère, et en plus avec un sourire. Il y a un hadith sur ça. Hajj. C'est ça que vous voulez dire, ok. Donc, passer dire le salam avec le sourire, le dhikr. Ensuite, hein, zakat, ça reste quand même une chose un peu lourde pour le neuf, c'est un peu, et c'est un pilier de l'islam, donc c'est quelque chose. Moi, je parle vraiment des choses simples qu'on peut faire au quotidien.
halaqat dhikr, ahsant. Donc après il faut quand même une petite organisation, il faut que donc assister aux cours quand ils sont proposés. Assister et aider les personnes. Ça on va rentrer ça dans un ce qui est d'une généralité qui est la politesse. Hein, aider une personne à porter ses courses, tenir la porte, dire salam alaykoum, dire bonjour, dire merci quand on vous dit la politesse. Et malheureusement, ça se perd. Mais ça, ce sont des bonnes actions. Al-Nasiha. Mais Al-Nasiha, ça peut quand même être dur pour le nefs, en fonction de la réaction de la personne, en fonction vraiment des choses faciles. Une petite sadaqa, hein, 1 euro par-ci, 1 euro par-là, même moins. Tout est bon à prendre. Qira'atul Qur'an. Hein, ça peut rentrer dans le dhikr, mais la lecture du Coran. La lecture du Coran, c'est ce qui nous fait gonfler notre capital hasanat. Beaucoup de personnes ils vont dire, comme j'ai dit, oh, il faut que je fasse une grosse sadaqa, oh, il faut que je fasse... Lire le Coran, tu peux atteindre des degrés extraordinaires avec la lecture du Coran. Vous connaissez tous le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que celui qui lit une lettre du livre d'Allah aura pour cette lettre 10 hasanat. Et une hasanat qui équivaut à 10 hasanat. Et ça peut être encore multiplié. Donc la lecture du Coran, même pour celui qui ne comprend pas l'arabe, qui lise le Coran en arabe, qui fasse l'effort d'apprendre l'arabe et qui lise le Coran, c'est ton capital hasanat qui augmente. Au lieu de rester sur ton téléphone, les réseaux sociaux, hein, à regarder la vie de Foulen ou Foulana et perdre ton temps, lis le Coran. Là, le compteur de hasanat il tourne. Alors que sur ton téléphone, c'est sûrement le compteur de sayyiat qui tourne. Et ça, c'est des habitudes à prendre. Toujours avoir son wird du Coran, donc son temps où on lit le Coran pour gonfler le compteur de hasanat. Et ça, on néglige trop. C'est comme si le Coran, c'était acquis. Le Coran, je n'ai pas besoin de le lire. Non. Et pour avoir des hasanat, il faut que j'attende une occasion de fou. C'est clair que celui qui saisit les instants ou les moments ou les endroits mufaddal, donc qui ont un mérite supplémentaire, lui c'est un vrai investisseur. Celui qui a une lecture du Coran quotidienne et qui pendant le mois du Ramadan il multiplie encore plus cette lecture, lui c'est un vrai investisseur, c'est vraiment lui il profite. Celui qui fait des petites sadaqas pendant le mois du Ramadan, il fait encore plus de sadaqas, lui il profite. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut faire ça que pendant le mois du Ramadan ou qu'il faut faire des invocations que Yom Arafat par exemple. Non, on en fait tout le temps, et il y a des moments et des endroits où il faut en faire encore plus. Donc on a dit, passer le salam, la politesse, le dhikr, suivre une sunna, hein, ittiba' sunna, fi salam mathalan. Dans la prière, deux personnes prient l'un à côté de l'autre, et parce qu'une personne va faire un geste en plus, il aura plus de récompense. Il va faire une sunna en plus, il va lever les mains pour le takbir. Yani, ce sont des choses également qu'il ne faut pas négliger. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ne sous-estime rien de bienséance, ne serait-ce que de rencontrer ton frère avec un visage joyeux. Le sourire à son frère. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yaqul kadhalik, ittaqun nar, walau bishiqi tamra, fa in lam tajidu, fa bi kalima. Donc Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, craignez Allah subhanahu wa ta'ala, ne serait-ce qu'avec la moitié d'une date, ou un morceau de date. Et si vous ne pouvez pas, faites-le avec la bonne parole. Et il est rapporté de Aïcha, radiallahu anha, qu'un jour il y avait quelqu'un qui demandait une sadaqa et qu'elle a donné quelque chose comme une date ou un raisin, ou un morceau de date ou un peu de raisin. Et on lui a posé la question, mais ça sert vraiment à quelque chose? Et Aïcha, elle a dit, radiallahu anha, combien y a-t-il d'atomes, hein, dans cette chose-là? Et juste, dharra, c'est traduit comme atome. Mais à l'époque du prophète sallam, atome ça n'existait pas. Et dharra, bil arabia, c'est namla sarira. C'est la petite fourmi noire. En fait, ce qui est voulu, c'est une chose insignifiante. Là, c'est traduit par atome, mais il ne faut pas penser que dharra, ça signifie vraiment atome en langue arabe, c'est venu après. Ou il y en a qui disent que dans Surat al-Zalzala, il y a i'jaz qur'ani, il y a un miracle coranique, parce que le Coran parle de l'atome alors qu'il a été découvert. Non. Tout ça, c'est la traduction. Dharra, donc, c'est la petite fourmi, ou les savants nous disent également, c'est
lorsqu'il y a un rayon de soleil, on va voir de la petite poussière. Ben, c'est cette poussière que l'on voit à la lumière, c'est ça, dharra. C'est pour exprimer une chose vraiment minime et minuscule. Donc ça marche dans le bien. Celui qui fait un peu de bien, il sera récompensé et il le verra. Mais ça marche aussi dans l'autre côté. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Celui qui fait le mal, ne fût-ce le poids d'un atome, le verra. Et là, c'est très important, car on est négligent par rapport à ça. Il y a des péchés qu'on fait au quotidien, tellement on les fait, c'est devenu une habitude, hein, pas de problème. Et notamment par rapport au téléphone. Et le fait de baisser les yeux. Ça, c'est quelque chose qui est devenu maintenant normal. Plus personne ne le fait. Parce que sur le téléphone, ça s'est démocratisé. Parce que non. Il faut faire attention à des choses minimes auxquelles on ne prête pas attention. Mais Yawm al-Qiyama, ça peut venir comme des montagnes. Et ça peut faire contrebalance par rapport à nos bonnes actions. Donc le musulman, il doit être vraiment... il doit se prémunir. Il doit tout faire. À chaque fois qu'il y a du bien qui se présente à lui... pour le saisir. Une autre porte de bien qui peut s'ouvrir, c'est les cagnottes. Aujourd'hui, les musulmans, tout le temps, ils reçoivent des cagnottes. Il faut aider une famille, il faut aider une association, une école, une mosquée. Et on voit des musulmans qui disent « Ah, c'est bon, chaque jour, on reçoit. » C'est une porte de bien qui t'est ouverte. Soit tu participes, soit tu participes pas. Tu n'es pas obligé de donner tout le temps 20 euros, 100 euros. Tu peux participer par 1 euro, hein, toute petite, et peut-être que c'est 7 euros là qui te fera rentrer au paradis. Ne pas négliger. Il y a des choses en fait, et c'est ce que je veux vous faire prendre conscience, qu'il y a des choses aujourd'hui qui nous paraissent normales, mais en fait qui ne sont pas normales. Il y a des portes du bien qui s'ouvrent devant nous et on se permet de les fermer. Il y a des portes du mal qui sont ouvertes devant nous et on se permet d'y rentrer en disant c'est pas grave. Non, rappelez-vous ce verset là, celui qui fait du bien même si c'est très peu, il le verra. Celui qui fait du mal, même si c'est très peu, il le verra. Donc être vraiment attentif par rapport à ça. Qui peut me donner des exemples de choses banales, on va dire, dont on ne prête pas attention, mais qui sont des choses mauvaises et qui peuvent avoir un impact néfaste, Yawm al-Qiyama. Ça, la langue, elle dit saine. Parler, hein. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit « وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا » et dites aux gens la bonne parole. Donc pareil, comme tu dois faire que le bien, eh ben, essaye de prononcer que le bien. Et si tu ne peux pas faire le bien ou tu ne peux pas dire le bien, fais rien. C'est mieux de s'abstenir de faire le mal, même si tu ne fais pas de bien, plutôt que de faire le mal. Donc la parole, ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme... Le regard, hein, Raddul Basar. On se permet de tout regarder aujourd'hui et c'est pas grave, mais si c'est grave parce que le regard c'est une porte directement vers ton cœur et quand tu vois des choses pas bien, ton cœur il se couvre et après on s'étonne de j'arrive pas à faire la salat, j'arrive pas à lire le Coran, j'arrive pas à faire ci. Normal, ton regard il est partout. Ouais, mais c'est pas grave, c'est sur le téléphone. Non. On sera jugé également sur ce qu'on fait sur le téléphone, on sera jugé sur ce qu'on écrit sur le téléphone, sur ce qu'on dit par téléphone. Ça, il ne faut pas l'oublier. Abdallah ibn Mas'ud kana yaqul innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu an yaqa'a alayhi wa innal fajir yara dhunubahu kadhubab marra 'ala anfihi faqala bihi hakadha. Donc Abdallah ibn Mas'ud radiallahu anhu, il disait, le croyant voit ses péchés comme s'il était assis sous une montagne craignant qu'elle ne tombe sur lui. Donc il voyait même un petit péché, il le voyait comme quelque chose de gros et quelque chose qui allait lui apporter, qui allait avoir des mauvaises conséquences. Et le pervers voit ses péchés comme une mouche, même si c'était des grands péchés, il voit ses péchés comme une mouche qui passe devant son nez. Alors il fait cela. Et lui, il passe à autre chose. Donc ça, c'est le croyant, il doit voir les péchés, même s'ils sont petits, il doit les voir comme une montagne. Quand il fait un péché, il s'en rend compte, il réfléchit, il demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, et il ne fait pas comme l'insouciant qui, hop, on passe à autre chose.
c'était un péché, ça y est, khalas. Non, toujours essayer de revenir et de faire l'istighfar. Donc ça fait partie des ruses de Shaitan, de nous faire négliger le bien et de nous faire minimiser le mal que l'on fait. Et on doit se souvenir qu'un jour la terre tremblera, qu'un jour on sera ressuscité, que la terre, excusez-moi, témoignera contre nous, qu'on verra nos actes, que nos actes seront dévoilés. Et ça doit avoir un impact sur nous pour qu'on soit min ahlil khayr, pour qu'on soit des gens du bien qui font le bien et qui ne laissent pas une porte ouverte du bien sans qu'ils ne la prennent, et s'éloigner du mal pour se prémunir contre les dégâts que ce mal peut avoir. Et surtout, n'oubliez pas donc qu'une petite action que vous faites dans le bien peut avoir une grande récompense en fonction de l'intention, et qu'un petit péché auquel vous ne prêtez pas attention, il peut avoir de graves conséquences, surtout s'il est fait avec régularité. Et Allah subhanahu wa ta'ala, enfin le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que les actes les plus aimés auprès d'Allah, ce sont ceux qui sont réguliers, même s'ils sont peu. Donc arrêtez d'essayer de chercher des grandes occasions pour faire le khayr, ça vous le faites, oui, mais essayez d'avoir un wird, enfin au quotidien, d'avoir une régularité dans les bonnes actions, la bonne parole, le dhikr, la lecture du Qur'an, une sadaqa même si c'est 1 euro, etc., etc. Est-ce que vous avez des questions par rapport à Sourate al-Zalzala? Est-ce qu'on a vu? À savoir, comme je le répète à chaque fois, le Qur'an, il a été révélé pour être mis en pratique. Là, vous avez compris, du moins j'espère, le sens général de Sourate al-Zalzala. S'il y avait une leçon à tirer de cette sourate, c'est de faire le bien autant que je peux et d'éviter le mal autant que je peux. Donc maintenant, cette sourate, c'est une preuve pour nous ou une preuve contre nous. Yawm al-Qiyamah, on ne pourra pas dire « Ah, je ne savais pas ». Donc à nous de prendre des bonnes résolutions pour pouvoir être compté parmi Ahli Hadi Surah, donc pour être compté parmi les adeptes de cette sourate. Car je le répète, avant d'avoir la prétention de devenir min Ahli al-Qur'an, d'être un adepte et un compagnon du Qur'an, il faut devenir le compagnon et avoir l'humilité de devenir le compagnon d'un verset ou d'une sourate. Et ça passe par la lecture, la compréhension, la méditation et la mise en pratique. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.